j'espère que ça va bien, ici votre Chopper. Et on est parti les amis, aujourd'hui pour découvrir toutes les cassettes secrètes de Amanda l'aventurière. Allez, on est parti, de retour dans le grenier. Ok, bon, allez, ça m'avait manqué, tiens, presque. En tout cas, merci à tous et à toutes les amis pour tout mon retour sur l'aventure complète qu'on avait fait la fois dernière. Ça m'a fait extrêmement plaisir, merci pour tous vos conseils. Oh non, et on est de retour ici les amis. Bon, ok, bon, toujours autant rassurant. Alors je vous rappelle que j'avais trouvé une première cassette secrète dans la première aventure qu'on avait faite, tout simplement grâce au piano, hein, en déchiffrant tout simplement en fait les notes de musique, hein, qu'il y avait sur une des cassettes, hein, présentes, avec envoyer les notes, tout ça. Et ça donnait du coup le code FACAD, donc c'était le F, hein, normalement. Attendez, je vais vous le mettre, F, A, après on avait le C, ensuite on avait le A, ensuite on avait le D, et le E, voilà, et en fait ça donnait justement une cassette justement secrète, qui était bien entendu, hein, je vais vous la remettre, hein, qui était cette cassette là, orange. Et si je compte bien, bien sûr, le nombre de cases vides qu'on a là, ça veut dire qu'à mon avis il y en aura 6. Ok, donc on va se la remettre celle là Et d'ailleurs on voit bien toutes les étiquettes, les stickers sur les, regardez sur la télé, qui montrent que j'ai eu plusieurs fins. Ok. Oui, c'est vrai, on voyait personne, on voyait une enfant qui regardait la télé. Viens Lauren, on t'a préparé une surprise exprès. Elle regarde Amanda. Elle regarde Amanda. Elle regarde Amanda. Tu veux la glace? Elle est scotchée à l'écran avec sa meilleure amie. Il passe cette émission à 24 ou quoi? Je crois qu'elle ne m'a même pas entendu. Je crois qu'on va instaurer 2-3 nouvelles règles pour la télé. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je vais essayer. J'aimerais la filmer pour qu'on se souvienne de ce joli moment. Lauren, ma chérie, on a pris un gâteau et de la place. Et je vais pas préférer de manger des petits chocolats. Eh bien, ma puce, on va regarder Amanda une autre fois. Elle a disparu. Lauren, tout va bien? Ah ouais, elle a ouvert la porte, elle est partie. Lauren, j'adore la glace à la menthe et aux pépites de chocolat. Genre Amanda, elle a entendu ce que la maman a dit. Voilà, donc c'est, je vous rappelle, Amanda sur l'aventure, c'est une émission qui passait très très souvent à la télé. Et suite à la diffusion de cette émission, en fait, beaucoup d'enfants ont mystérieusement disparu. Comme si Amanda pouvait entendre ce que vous disiez, en fait. Voilà, tout simplement. Bon, alors, du coup, j'ai eu pas mal d'infos. Donc, je vous en remercie énormément, les amis. Hein, donc, j'ai eu des aides de pianiste et tout pour le piano et tout. Enfin, c'est trop bien. Et la poupée qui est toujours là. Et bah justement, est-ce qu'on pourrait pas se remettre? Allez, la première cassette. Direction la cuisine. Allez, c'est vrai, on peut faire pause maintenant. C'est cool. Salut, moi, c'est Amanda. Et moi, Pelote. Ah oui, c'est vrai. Donc là, on était là pour faire une tarte. Moi, j'aime bien la tarte aux pêches. Sinon, c'est pas mal, non? Tarte aux pêches. Ça a l'air super bon. Ouais, t'as vu ça ou quoi? Ah oui, il faut un couteau, c'est ça? Faut l'écran français. Ah oui, voilà, c'est ça. On pourrait prendre un couteau qui est affûté. On devrait peut-être demander de l'aide à un adulte, non? Prends Pelote. Quand on est seul, il faut s'accrocher et prendre les devants. Regarde, je suis un pirate. Elle fait peur quand même. C'est dangereux, ça dort. Allez, Pelote. Ok, on va couper les pommes. Waouh, c'était dur. On a presque tous les ingrédients pour faire notre tarte. Ok, il nous manque juste le sucre. Ah oui, c'est vrai, il fallait trouver le sucre avant. Ouais, je sais où est le sucre. Il est dans le placard, le sucre, il est là. Youpi, on va pouvoir faire une super tarte. Tu sens cette odeur de pomme et de cannelle. Ok, donc là, on connaît les ingrédients. C'est juste qu'on ne connaît plus la température. On va voir si ça a changé. Attends, tu crois pas que... Faut mieux demander à ses parents. Ouais, mais on sait pas où ils sont, ses parents. Ok, allez, donne-nous la recette. Ok, alors voilà, 425 degrés. Ok. Pendant 125... Attends, pendant 25 minutes. Ok. Ah oui, non, 40 minutes, c'est ça. Ok, voilà, donc là, c'est bon, on a toutes les infos. Il va nous falloir, donc là les amis, on va plutôt suivre le conseil de Pelote. C'est-à-dire que on va pas se faire une tarte aux pommes. On va se faire, les amis, une tarte à la pêche. Hop là, voilà. Oui, vous vous souvenez de ce petit fruit qu'on a trouvé sur le carton? Et ben là, on va le mettre, voilà, directement là-dedans. On va poser ça là-dedans. Mais avant, on va régler le four à 425. Hop, 425 degrés. Et on va le mettre genre 40 minutes. Bon, ça devrait pas exploser, non? Oh, et on obtient, regardez, une nouvelle cassette. Oh, trop bien. Et là, on a fait la tarte de Pelote. D'ailleurs, on peut peut-être mettre cette cassette-là, vu que je les collectionne, donc ici. Oh là là, oh là. Elle tient pas très bien. Attends, je peux pas mieux la balancer ou quoi?
Attends, mais sans... Elle est où? Elle va... Attends, elle est là? Ouais, c'est bon. Oh, elle tient pile. Ok, voilà. Et là, on va essayer cette nouvelle cassette. C'est parti. Oh, c'est que des faits réels, en fait. Ok, le 3 août... Non, le 8 mars, pardon, 2002, à 2h47 de l'après-midi. On est où, là? C'est une école ou... un psy? Vous croyez que c'est Lorraine? La petite fille qui regarde Amanda? Alors, il n'y a pas du tout de son. On dirait un peu un docteur, quand même. Ok. Donc, il nous montre un espèce de livre, de cahier avec des explications et un stylo. Donc, peut-être que... C'est peut-être pour aider à retrouver Lorraine. C'est peut-être une amie de Lorraine. Et genre, il l'interroge pour lui demander des indices, savoir ce qu'elle faisait dernièrement. Peut-être des trucs comme ça. Ou alors, peut-être pour savoir ce qu'il pense de, ce qu'elle pense de l'émission, vous savez. Pour aider à faire de meilleures cassettes. Ok. J'essaie de voir s'il y a des indices, hein. Moi, je note juste la date pour l'instant. Attends, je vais mettre pause. Ok, y'a rien de nouveau. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des événements qui se passent derrière moi, donc... Ok, bon, très bien. C'était une petite séance. Ok, c'est tout, d'accord. Bon, on a une date. Oh, y'a un... La poupée est toujours là. Ok, d'accord. On tire un agent de sécurité un peu. Mais c'est ça, en fait, c'est un... C'est un truc ultra secret, en fait. Ultra confidentiel. Ah ouais, on dirait vraiment des scientifiques ou des docteurs. Où est-ce qu'elle l'amène là? On a toujours la même date, c'est juste l'heure qui a changé. Ok, ok, très bizarre. Vraiment très bizarre cette cassette. Hop. Ça n'a rien donné. Et la poupée est là. Ok, bon, on va la poser là. Allez. Wow. Oh, elle tient pile poil. Et apparemment, donc, pas mal d'entre vous, les amis, m'avaient dit qu'il y aurait un pot qu'il faudrait qu'on fasse pousser pour obtenir un petit truc qui permettrait de. De réveiller la poupée, même si j'ai pas vraiment envie de la réveiller. Mais ça, ces pots-là, on les avait déjà tous testés, hein, donc... On peut pas aller là-bas. Je suis coincé avec la tapette à souris. Oh, il y a un pot ici. 20... C'est un 4 ou un 21? Les deux. On dirait un peu les deux, hein. Ok. Alors ça, je me rappelle qu'on pouvait utiliser la source d'eau, là, avec la pluie dehors, pour faire pousser les trucs. Qu'est-ce que ça va faire pousser? Ok. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Donc là, ça veut dire que là, je peux prendre la fleur et je peux la donner à... Ah ouais, je peux la donner à la poupée! Thank you. Oh, et ça lui a mis une fleur, regardez, dans ses cheveux, il en manquait une. J'ai une surprise pour toi. Mais pour ça, il faut que tu te retournes. C'est bon? Je peux avoir ma surprise? Oh, merci! Yes! Merci. Je lui fais une tape sur la tête, voilà. Merci. Oh, une nouvelle cassette secrète! Attendez, je vais virer celle-là, là, hop. Je vais forcément tomber dessus, hein. Je vais trébucher dessus, hop, hop. Bon bah allez, écoute, je la ramasserai plus tard. Ok, nouvelle cassette secrète. Voilà 3 semaines que Allen a fait l'acquisition de l'émission de Sam Colton. Il a été porté disparu et les autorités n'ont toujours aucune piste. Colton est le créateur de l'émission Amanda l'aventurière. Le public a assisté à une émission pédagogique dont faut dire Colton et Sam, qui a immédiatement conquis les enfants. Mais depuis la disparition de Colton, l'avenir de l'émission est compromis. L'an dernier, AML Productions a racheté les droits de programme en prise de vue réelle dans lequel joue Rick. Puisque le budget et la valeur de production étaient de même. Oh, il y avait la fille. Tu pourrais être diffusé à l'échelle nationale. Quoi? Ça veut dire que ce serait pour tous les pays. Et la disparition récente du producteur local suscite certains doutes. Pour nous réarranger les choses, les derniers épisodes d'Amanda l'aventurière semblent aborder les sujets qui inquiètent certains parents du quartier. Mes enfants adorent tous ce genre d'émission. L'autre jour, par exemple, j'ai entendu Amanda dire que certaines mamans et certains papas n'avaient pas toujours raison. C'est quoi cette histoire? C'est pas le genre de choses qu'il faut dire à des enfants. Il a fallu que je change tout ça. J'ai dû dire aux gamins que la télé avait un problème. Ouah, c'est chaud. Il est encore difficile de savoir si la disparition de Colton affectera la participation de sa fille et Starlet locale. Oh, c'est sa fille. Pour en savoir plus, nous avons contacté Amel. Bien que les responsables aient décliné, ils ont toujours de même publié une déclaration écrite. Toute l'équipe de Amel s'inquiète des problèmes engagés par le départ soudain de Sam Colton de l'émission et son impact sur sa fille. Nous nous interrogeons encore sur ses motivations. Nous prions les résidents de quartier de respecter la vie privée de Rebecca Colton, qui aura besoin de temps hors des projecteurs pour se remettre de ces événements.
Pour l'heure, toutes les participations de Rebecca aux événements locaux ont été annulées, y compris la levée de fonds pour la bibliothèque municipale. Les bouquins de pelote qui devaient avoir samedi. Rassurez-vous, Amanda reviendra très bientôt. Hamel Productions a bien conscience de l'engouement du public pour l'émission. Malgré la déclaration de Kate, les autorités n'ont pas encore tiré de conclusion sur les causes de la disparition de Sam Colton. Nous vous tiendrons immédiatement informés dès que nous aurons de nouvelles informations. Après la coupure, nous rendrons visite à Zarpo, la gerbille qui parle. Oula, c'est peut-être un clin d'œil pour un futur truc d'Amanda, ça, Zarpo. Ok, tout s'explique. Eh, coucou, c'est ton copain Skip. Et voilà Skip, mon fidèle toutou qui pied partout. Ok. Et ben un indice, je suis sûr, à la fin. Ok, donc la fille qu'on a vue dans la cassette d'avant, la cassette bleu ciel, la cassette secrète bleu ciel, c'était Rebecca, donc la fille du créateur, donc Sam Colton, qui est le créateur de l'émission de Amanda, The Adventurer. Voilà. Et d'ailleurs, elle ressemble un peu à Amanda, hein, je trouve. Hein. Donc il s'est peut-être inspiré de sa fille. Hop là, c'est bien posé. Pour créer Amanda. Et genre, son père a disparu. Je pensais que c'est dû aux parents qui étaient en colère parce que leurs enfants ils devenaient fous à cause de Amanda, ou alors parce que il s'est fait peut-être embarquer dans une autre dimension de Amanda, j'en sais. Ok, en vrai, très intéressant. On va continuer un petit peu, on va regarder un peu d'autres cassettes là. Ok, donc j'ai récupéré la cassette de Amanda The Adventurer au nom des accidents. Je vous rappelle que celle-ci, on l'obtient avec la deuxième cassette quand on va faire des courses, hein, vous savez, pour la copine justement de Amanda. Et non, ça se passe pas avec l'horloge, non, ça se passe avec le piano, l'épreuve. Et bien sûr, les touches sur lesquelles il faut appuyer, c'est C, B et F, et vous obtenez justement cette cassette là. Et regardez, on va pouvoir l'insérer, la VHS, dans le lecteur cassette pour découvrir d'autres secrets de Amanda. Alors on va aller à la partie au moment où justement Pelote se fait mal au genou. Voilà. Et là on va nous demander, ah, ça fait super mal au genou, hein, c'est vrai. Mais quel genre de personne peut soigner les bobos? Et là on va mettre personne ne peut soigner le genou. Tu dois avoir raison. Pelote doit voir un docteur. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Attends. Si je mets la peau. Oh le pauvre Pelote. Oh le pauvre Pelote. Oh il y a une nouvelle cassette. J'ai obtenu une nouvelle cassette. Oh c'est stylé. Ok. Alors, je me dis que je peux pas l'insérer tant que. Ouais let's go ouais. Hop. Alors je peux pas l'insérer. Tu me gardes ça s'il te plaît, hein. Le temps que je n'ai pas terminé la cassette. T'inquiète pas Pelote, on va te soigner. Pauvre Pelote. Oui, on va aller voir le docteur. Alors, le spécialiste, c'est les os. Ah, je vous rappelle que c'est ici qu'on avait les indices des horloges. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va aller hop au niveau du scanner. Et c'est Pelote est soigné. Impeccable, la cassette. Wouhou! On la met de côté. Et on va prendre celle-ci. Hop, merci de me l'avoir regardé. Et hop, on la met dans le lecteur. Ok. Toujours rien. J'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus bizarres ces cassettes. Oh! La minute café avec Sadie Cabin. Cabin. Bienvenue à la pause café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sam Colton, le créateur de l'émission à succès pour enfants, Amanda l'Aventurière. Ah oui, je me rappelle, on l'avait vu sur une affiche. Et aussi, disons-le, un incroyable studio. Merci de m'avoir accueilli dans votre émission et merci à vous, Sally. C'est un plaisir de travailler avec vous. Je vais prendre 20 kilos, moi, si vous continuez de me laisser traîner avec un petit gâteau comme ça dans la cuisine. Vous n'allez pas boire votre café sans biscuits, voyons. Alors Sam, l'an dernier, dans ce même studio, vous avez lancé la production d'Amanda l'Aventurière. La ville tout entière adore votre émission. Auriez-vous cru un jour faire autant sensation? Honnêtement, Sally, non. Ça a été une vraie surprise. Il faut dire que c'est sacrément décousu. Vous savez ce que c'est, les grandes idées et les petits budgets, ça ne fait jamais bon ménage. Je ne suis pas sûr de voir de quoi vous parlez. Enfin, les enfants, ils s'en moquent. Ils voient directement au cœur. Ah, ça. On voit bien que votre émission vient du cœur. Et si j'ai pu réaliser ce projet, c'est avant tout grâce à Miss Case qui m'a soutenu jusqu'au bout. D'accord? Je crois bien qu'elle a parlé de mon émission chaque fois qu'elle organisait une session de lecture. C'est vrai que c'est devenu rare aujourd'hui de voir une émission pour enfants à la fois si drôle et si pédagogique. Ouais, tout à fait. Qui est la muse qui vous a inspiré le personnage d'Amanda? J'ai voulu créer une émission qui montre aux enfants que notre monde est un endroit magique, truffé de petites aventures qui les attendent dans les rues de leur quartier. L'émission est un hommage à l'imagination des enfants. C'est bien ça? Enfin, ma muse n'est autre que ma Rebecca. Eh ouais, je le savais! Dès l'instant où j'ai rencontré ma mère aussi, c'est comme ça que mon inspiration est venue. Elle était très jeune quand je l'ai adoptée. Ah, il l'a adoptée, trop bien. Et malgré que ce qu'elle a vécu, elle a toujours été débordante de joie et de bonté.
C'est mon petit rayon de soleil. C'est marrant comme le sticker à droite. C'est un vrai bonheur de pouvoir en faire profiter tout le monde. Elle a vraiment quelque chose de spécial. C'est une vraie petite starlette. Il faut dire que l'émission est tellement adorable. C'est pour ça qu'elle signe autant de documents. Merci Sally. C'est pour la confidentialité du truc. On sait qu'Amanda l'aventurière pourrait attirer l'œil de producteurs importants. On m'a déjà fait quelques propositions, oui. Ça serait pour en faire un dessin animé. Je peux pas trop en parler pour le moment, mais je suis très enthousiasmé. J'ai l'impression de vivre un rêve. J'adore l'idée de pouvoir offrir à tous ces enfants un monde débordant de créativité. J'ai l'impression que ma petite émission pourra avoir un véritable impact. C'est vraiment incroyable. Merci à vous, Sam, de nous avoir accordé votre temps pendant cette pause café. Nous avons beaucoup de chance de vous avoir parmi nous. Ah ouais, c'est le même studio, quoi. Et Rebecca. Pour la prochaine pause café, décoration florale pour toutes les occasions. Nous accueillerons la dernière venue dans le quartier, Rose Matthew, de chez les Bouquets de Rose. A très bientôt avec un bon café toujours bien chaud. Et les conversations qui sortent du lot. Très bien, très bien. Bon. Je veux écouter ce qu'ils disent, moi aussi. Ok, j'ai pas le droit. Bon. Il a l'air bien sympa. Oh non, il pêche. Hop, bon, bah hop, une cassette de plus. Elle flottait dans les airs. Est-elle possédée? Bon, très bien. Bon, déjà, on sait que... je vous rappelle que le créateur s'appelle Sam. Ah, attends, mais il n'y a plus rien là autour. Tout a disparu. Merci. Non, ça, je l'avais déjà lu, je vous rappelle. On l'avait lu, on voit bien Sam Colton. C'est grâce à sa fille Rebecca qui s'est inspirée de pour créer... Amanda l'aventurière. Alors justement les amis, en parlant de Sam, on va aller utiliser la cassette Qu'est-ce qu'une famille. Vous savez la cassette qu'on obtient dans la caisse à outils il me semble, hein, qui est tout simplement avec le code GOOTS, donc G-U-T-S. Hi friend. Bon alors, les amis, c'est moi, voilà, ouais je sais. Et on doit aller justement au niveau de la ferme. On va aller visiter justement aujourd'hui. Hop. Et là on s'intéresse justement au coq. Comment s'appelle ce... Non, ça normalement en fait on est censé répondre à Amanda qui nous demande mais comment s'appelle le mâle de la poule. Et c'est bien sûr le coq, hein, c'est au cul. Mais là on va l'écrire Sam, comme le créateur de Amanda Aventure. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Comment est-ce que... On pourrait aller, où maintenant? Et si on allait voir les moutons? Alors attends. Oh la tronche que fait. La tronche qu'elle fait. Pelote. Et Amanda la mode. T'as un truc à dire, Pelote? Il y a une nouvelle cassette. Nouvelle cassette secrète. On va poser juste là et on va en terminer. Donc là normalement on est censé aller voir les moutons. Peux-tu me dire où sont les moutons? Bah ils sont là, hein, je vous rappelle. Okay. Allez, on y va. Donc là on avait le pauvre petit chat qui se sentait seul. Et oui, on voulait absolument. Non, je voulais t'énerve pas. Faut pas énerver Amanda. Voilà, c'est bon. Ok. Donc là, voilà. Hop et ça. Oh parfait. Elle tient parfaitement bien. Je vais quand même la poser là, l'autre là. Cassette. Et la troisième. Elle a disparu. Et la poupée a disparu aussi. Ok, bon, c'est parti. Nouvelle cassette secrète. Oula. C'est les studios d'enregistrement. Pour Amanda. C'était nickel, Rebecca. On passe à la suivante. C'est elle qui fait la voix d'Amanda? Type tarp. Type tarte. Type tarte. Bagno. Bagno. Waouh, l'enregistrement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Quelques mots basiques. Ce script est spécialement conçu pour habituer la technologie aux variations de ton dans la voix. De quoi? Je veux qu'on arrête tout. Tu devais aller faire un petit tour, Sam. Prends un verre. Il nous reste plus que ça. Non, je peux pas faire ça. Tu vas bien, Rebecca? À qui est-ce que tu parles? Au monsieur là qui me dit de faire des trucs dans le casque. Mais il n'y a personne. Elle est fatiguée. C'est trop dur pour elle. Ok, on va faire une pause. Rebecca, viens. Oh, on peut. Oh là là. Attends, mais le réalisateur il était là, il parle en même temps. Oh, c'est chelou de ouf. Ça rentre. C'est bien, ok. Très bien, et bah les amis, c'était toutes les cassettes secrètes. Toutes les cassettes. On va y arriver, attends, comme si, juste comme ça. Attends,
et là, voilà toutes les cassettes secrètes de Amanda. Mais comme vous le voyez, il en manque une. Et oui, et la dernière justement, qui est la cassette une des plus secrètes de Amanda l'aventurière. C'est une cassette qu'on peut obtenir uniquement en modifiant vos fichiers des jeux. De fichiers du jeu tout simplement en fait. Donc je vais essayer d'aller voir un petit peu dans les fichiers du jeu et modifier tout ça. Ok, donc les amis, j'ai été dans les fichiers du jeu de Amanda the Adventurer et j'ai modifié la note en fait précise, le code pour pouvoir obtenir la cassette secrète. Alors je vous montrerai bien sûr tout ça en fait, c'est très simple. Il faut être simplement dans votre dossier utilisateur, puis ensuite AppData, Local Low, ensuite je crois que c'est Mangled Mo et Amanda the Adventurer, et ensuite vous prenez le fichier Save et vous modifiez la ligne pour débloquer la cassette, non pas en 5, la cassette secrète 5, mais la cassette secrète 6. En fait, vous changez le 5 en 6. Et là, les amis, on va aller voir justement si on a débloqué la toute dernière cassette secrète de Amanda l'aventurière. Amanda the Adventurer. Oh, elle est là. Elle est vraiment là, regardez. Oh, c'est ouf! Mais attends, mais c'est incroyable! Elles sont bien posées et tout, hein, regardez. On a toutes les cassettes. Oh, et du coup, c'est la bleue, là. Hein. Oh, c'est incroyable. J'ai rien fait, hein, vraiment. J'ai juste modifié le truc, mais j'ai pas bougé. Y'a plus la poupée. J'ai rien touché d'autre au niveau des cassettes. Hein. Ok. Voyons voir un petit peu cette dernière cassette secrète de Amanda, The Adventurer. Oh! Avec Woody le mouton, Out of Mouth. Ok. C'est son émission spéciale. Il a son émission à lui. Pelote. ça va, Pelote? Oui, très bien. C'est ça son émission. Il attend la. Je crois qu'il attend la phrase là. Il attend la punchline là. Il faut lui donner, non? Non? Attends, c'est juste Pelote qui fixe la caméra. Enfin, qui. D'accord. Je regarde s'il y a des trucs qui. Ah! Excuse-nous, ça va? Un mouchoir peut-être? Non? Un verre d'eau? C'est un troll des développeurs, c'est pas possible. C'est ça la vraie. Attends, non mais je me suis. Attends, mais c'est la vraie cassette, je me suis pas trompé, hein. Attends, l'orange, le bleu ciel, la rouge. Non, mais c'est ça, hein. Le coffre a rien bougé. Non, mais. Voilà, bah, c'est la dernière cassette. La dernière cassette de Amanda l'aventurière. C'est Wooly, donc Pelote, qui a une table et il fait rien. Le lendemain. Oh, attendez, Pelote, on nous tient un truc. Ah non. Ah bah, quoi? C'est la fin de la cassette? C'est la fin de la cassette, sérieusement? C'était juste Pelote qui... c'est Pelote qui faisait rien du tout? Non mais attends, mais c'est une blague de jeu là, c'est pas possible! Non mais incroyable cette dernière cassette, hein, vraiment! En tout cas les amis, j'espère en tout cas que ces nouvelles cassettes secrètes de Amanda l'aventurière vous ont extrêmement plu! Surtout la dernière! En tout cas les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pour cette fin plutôt épique, hein, vraiment! Je vous rappelle, on a obtenu toutes les fins de Amanda l'aventurière et aussi également toutes les cassettes secrètes. En tout cas, merci beaucoup les amis de tout mon retour, merci en tout cas et je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle émission de Amanda the Adventurer.